transformé en arène de combat le 26 août 2023. Le hall de la gare ferroviaire de Bisenge à Douala fait le plein d'œufs. Amateurs, fans et autres curieux ont effectué le déplacement pour suivre les combats des finales nationales organisées par la Ligue nationale d'arts martiaux mixtes. 70 athlètes masculins et féminins ont compétit dans les 8 catégories amateurs et professionnelles. L'on retiendra chez les moins de 120 kg la victoire de Derek Soukoudjou par soumission face à Yannick Onana. Et dans la catégorie dames, la suprématie de Meng Estelle, vainqueur au point face à Marthe Makaleke dans les moins de 65 kg. Aujourd'hui, ça n'a pas été facile parce que comme je vous ai dit, ils savent que Soukoudjou ne sait pas lutter. Alors Soukoudjou a travaillé la lutte et voilà le résultat. Moi je suis, n'ai pas de stress parce que c'est ça qui est ici au Cameroun, mon niveau n'est pas ici. Je suis maintenant très du puissant. Mon niveau c'est l'UFC et c'est ça que j'y arriverai. Les finales nationales du MMA qui se sont déroulées dans la cité économique du Cameroun ont été aussi une occasion pour les responsables techniques de la Ligue de détecter les jeunes en vue des compétitions à venir. En tant que directeur technique, je suis satisfait de mes attentes parce que ça m'a permis de faire de la détection des nouveaux talents. Et il faut le dire, en plus déjà, nous préparons un championnat d'Afrique en septembre en Angola. Et cette compétition du Coupe du Cameroun était aussi qualificative parce que plein de ces athlètes qui prestaient pour la Coupe du Cameroun étaient présélectionnés. Donc les entraîneurs nationaux ont eu à voir ceux qui pouvaient présélectionner. Et par la suite, nous vous disons désormais au public, c'est du MMA que nous voyons au Cameroun. Nous avons la relève. À noter que les finales du MMA 2023 organisées à Douala pendant 2 jours se sont articulées chez les professionnels autour d'une dizaine de combats comprenant la 17e édition du championnat Imbim. De remettre la médaille d'or